discuter avec Souleymane Gueye. Souleymane qui passe, pas pour la première, c'est la deuxième fois qu'il va nous interpréter quelques chansons de lui-même. Oui, la première fois, c'était à l'anniversaire en bas. Oh, ouais. Sa deuxième visite, il allait faire le tour du monde, plus d'un an et demi. Wow. Je croyais qu'il n'allait plus revenir à Montréal. Je le voyais que c'est pas sur Facebook, partout il était, l'Amérique latine. L'Amérique latine, l'Asie. Asie, tout ça, et tabac ou c'est en Asie. Je me suis dit, mais ce garçon, est-ce qu'il va nous revenir? Oui, il est revenu. On s'est vu au bar en bas. J'ai dit, mais je ne sais pas si tu repars ou bien tu restes, je ne sais même pas si je dois t'inviter. Il dit non, je reste pour l'instant. Pour l'instant, je suis là, avant de prendre sa guitare et de repartir, il va nous interpréter deux de ses chansons à lui. Et puis, mesdames et messieurs, il est originaire du Sénégal, Montréalais, il a vécu, il vit, je ne sais même pas où il vit vraiment. Je le vois à Montréal, il vit à Montréal. Bon. Voilà, mais il est toujours parti quelque part avec sa guitare et puis les études, les a finies. Hein. Ouais, c'est fini. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci à Fulgence. Le monsieur à la voix sexy, là. C'est vraiment un plaisir d'être ici et d'apprécier justement tous ces poètes qui sont ici, si inspirés et inspirants aussi. Et ça me fait penser à la poésie qui est un de mes premiers amours. Avant de commencer à composer des chansons, je faisais également des textes comme ça. Et je pense que je vais me relancer à ça aussi. Donc, je vais vous interpréter deux chansons, deux compositions. La première que je vais faire, c'est une chanson qui s'appelle « Une autre vision ». C'est une chanson que j'ai composée, disons, en réponse à cette expression qui est devenue monnaie courante, « L'argent fait tourner le monde ». Et justement, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut une autre alternative à cette vision-là. Parce que ben, des expériences, comme dit Fulgence, voyager un petit peu et dans les coins les plus reculés du monde, on voit que les personnes qui ont le peu, ceux qui profitent le plus de la vie, qui vivent plus que qu'autre chose. Et justement, je pense qu'on a la place dans ce monde pour faire une société où l'amour, la paix et la solidarité peuvent être la devise de ce monde. Donc ça s'appelle une autre vision. Nous vivons dans un monde où l'argent fait la loi. Nous vivons dans un monde où l'argent fait la loi. Nous perdons la vie à tant vouloir la gagner. Cette logique immorale qui ne sert que l'impunité. Certains défient le système pendant que d'autres s'y noient. Travaillons ensemble à rendre ce monde meilleur. Laissons la place à une solidarité sans l'heure. D'énormes sacrifices sont faits au nom de la démocratie. La vérité se cache dans de sales draps ensanglantés. Pendant que des masses s'enlisent dans une solvable pauvreté, la minorité jouit dans une indifférence bien lentille. Travaillons ensemble à rendre ce monde meilleur.
Laissons la place à une solidarité sans larmes. Osons changer le monde. Inventons-nous une vision digne. Ne perdons plus une seconde, car les pages d'histoire attendent de meilleures lignes. Travaillons ensemble à rendre ce monde meilleur. Laissons la place à une solidarité sans l'heure. Laissons la place à une solidarité sans l'heure. Chanson que je vais interpréter, c'est une ballade. Disons que j'ai pas la diatribe des messieurs qui sont passés ici avant moi, mais c'est une ballade que j'ai composée. Derrière chaque chanson amoureuse, il y a souvent une personne exceptionnelle derrière qui nous influence de manière positive ou négative. Et dans ce cas-ci, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée dans mes voyages justement. Et donc, avant que vous me demandiez comment s'appelle cette personne, j'ai appelé cette chanson Andrea, mais disons que c'est une femme qui est anonyme. Et Andrea, c'était juste un prénom qui collait bien à la chanson et qui, que j'aime bien comme prénom. Donc, ça s'appelle Andrea. Assis dans mon appart, je pense à toi comme la terre se languit du soleil. Je sens toujours cet écart qui nourrit l'absurdité d'un effaré. Mais l'amour est comme un regard émerveillé face à un arc-en-ciel. C'est pour ça que je chante Andrea, Andrea, Andrea. Tes yeux m'aveuglent face à la beauté de ce monde, Andrea. Andrea, tu es l'ombre qui guide ma pensée chaque seconde. Andrea, Andrea. Pam 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 pam. Derrière ce magnifique sourire se cache l'ange ou le démon qui hante mes rêves. Une détresse dégage.
saccage de mes soupirs, étouffé par ta présence telle une traîne. Mais ce calme précaire camoufle le pire, rendant pénible chaque jour qui se lève. C'est pour ça que je chante Andrea, Andrea, Andrea. Tes yeux m'aveuglent face à la beauté de ce monde, Andrea, Andrea. Tu es l'ombre qui guide ma pensée chaque seconde, Andrea, 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 Andrea. Oh, Andrea. Tes yeux m'aveuglent face à la beauté de ce monde. Oh, Andrea. Tu es l'ombre qui guide ma pensée chaque seconde. Oh, Andrea. Andrea. Merci encore à Vivement Poésie et puis au Gainsbourg. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Okay, on l'applaudit encore, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je vais dire merci à tous mes invités. Souleymane Gueye qui vient de nous accompagner avec, de nous divertir avec deux pièces d'interprétation. Merci. Soul, merci beaucoup. Avant que tu ne reprennes ton pèlerin de voyage, il est toujours pas bon ce garçon, ce qu'il fait autour du monde, je ne sais pas ce qu'il cherche. Il cherche Andréa, ouais, merci. C'est Yvon Danjou qui nous a concocté ce beau pourri. Voilà, je suis très ému, ça me touche profondément ce que tu fais avec tous ces textes, ces beaux textes réunis. Il est là, il fait semblant de ne pas écouter, mais il écoute, il ficelle tous les petits mots, là, il les met ensemble. Et puis merci beaucoup, Yvon Danjou, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Garrick, là, je sais pas, on l'applaudit tout simplement. Ouais. Avec son ami Hemingway. Violette Forêt qui est tout à fait au front là-bas, mesdames et messieurs. Là. Merci beaucoup, Violette. Olivier Laroche, merci pour ta première visite. Et j'espère que tu auras le temps de venir nous voir ici à Vivement Poésie. Merci beaucoup à toi, Olivier. Merci. On applaudit encore une fois, mesdames et messieurs. Valérie Robichaud, le monsieur à la caravane. Ah, tu pars en vacances bientôt, toi. Tu vas en Acadie. Merci, oui. Valérie, on l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup. Et il m'a fait cadeau de son recueil qu'il avait. Il me l'a dédicacé, merci beaucoup. Je vais le déguster tout doucement, tranquillement. Et pourquoi il me regarde comme ça, le monsieur au chapeau noir au bas. Jamy Lazaoui, mesdames et messieurs. D'être venu nous. Voilà, on nous fait déguster ce texte. J'ai adoré. Tu m'envoies la copie, je vais mettre ça sur le site de Vivement Poésie, s'il te plaît. Et puis il y a mes complices de
tous les jours, d'abord commençant par le monsieur derrière la caméra, qui est aussi un poète, un essayiste, ouais, c'est un homme de théâtre aussi. Il n'est pas là seulement pour filmer, il adore la belle plume, c'est un ami. Esmes alias Kafka, mesdames et messieurs. Les gars, salut, on a toutes ces vidéos logiquement poésie sur YouTube. Vous pouvez télécharger, écouter, réécouter les tests que vous avez aimés, les capsules, les gens, les invités que vous avez aimés. Merci beaucoup Kafka de cette amitié, merci beaucoup. Il ne sera pas là le mois prochain et en août aussi, il sera... Non, en septembre, tu reviens en octobre, n'est-ce pas? Alors, c'est dommage. Hein. Là, s'il y a quelqu'un ici qui s'est fait une caméra, qui va filmer les deux prochains mois, Kafka ne sera pas là. Je vois, il y a quelqu'un qui l'a déjà, qui... Tu peux venir tout filmer, tu réserves les deux mois, tu lui donnes ça pour le montage. Quand il va revenir de ses vacances, tu lui remets ça pour le montage. Merci beaucoup Yvon, merci. Et puis celui qui était venu juste pour écouter, que j'ai suis allé voir comme ça et qui est venu prendre le micro, le jeune poète derrière, Clarence Collin-Choise, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Merci beaucoup Clarence, merci. On va accepter de nous livrer quelques mots, merci. Et le grand monsieur là-bas, la barbichette, avec sa moustache, sans cheveux, aux lunettes, grand comme un footballeur américain, c'est mon bras droit, c'est le monsieur à tout faire, c'est lui qui ose le photographe de la soirée, mais c'est pas seulement ça qu'il fait, c'est lui qui fait tout ici, c'est lui, il arrive, je suis arrivé avant lui aujourd'hui, il m'a dit, tiens, il va pleuvoir, Fulgence est arrivé avant moi. C'est lui qui passe tout, c'est lui. Fait tout, la lumière, les manchets, le son, il s'occupe de tout. Je sais pas ce que je vais faire s'il n'est pas là. Merci ton amitié Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Louis, merci. J'apprécie beaucoup ton support, ton bienvenue. Et la dame derrière le piano qui est là depuis le début jusqu'à la fin, qui accompagne tous les lecteurs et ceux qui veulent bien. Mesdames et messieurs, Sophie Zoran, la boutique. Et la jeune dame derrière le bar qui vous a servi toute la soirée, n'oubliez pas. Elle est là, oui, ouais, elle est là depuis qu'elle travaille au Gains. On la programme le premier dimanche de chaque mois. Ça lui a permis de découvrir l'événement. Je crois bien qu'elle apprécie la poésie maintenant. On l'applaudit, mesdames et messieurs.